Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Il se passe plein de trucs dans ma vie, je sais pas comment gérer. Donc, qu'est-ce que je fais quand je sais pas gérer? Je me casse et j'ai donc décidé aujourd'hui de partir toute seule à Giverny et peut-être trouver des solutions aux problèmes qui se posent ou vont se poser dans ma vie. Mais c'est une autre histoire et je vous en parlerai plus tard. Claro. Pero, ¿cuántos sicarios? No slow on a beach in Costa Rica. Is this really what I wanted? I just know I need Costa Rica. Place to put my feet up. Je viens de rentrer, je suis KO. En sortant des jardins, je suis passée par la boutique forcément. Et j'ai craqué mon slip. Parce que j'ai vraiment acheté n'importe quoi. Mais ça m'a fait trop plaisir. J'ai commencé par acheter un carnet qui est le carnet de ma nouvelle vie. J'ai acheté un marque-page parce que toujours plus de marque-pages, jamais trop de marque-pages. Et j'ai acheté un sac. Il est vraiment trop beau. Et donc en arrivant sur Paris, je suis passée à Strasbourg-Saint-Denis. Il y a une espèce de petite boutique qui vend plein de livres d'occasion où j'y ai acheté 4 romans. J'ai acheté Le procès de Kafka. J'ai acheté Les rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau. J'ai acheté L'œuvre noire de Marguerite Yourcenar. J'ai acheté Pilote de guerre d'Antoine de Saint-Exupéry. Et en fait, je sais pas, je l'ai ouvert et je suis tombée sur une phrase, elle m'a foutu une claque. Oh, il y a un petit marque-page. Trop mimes, RATP, métro, bus. Qu'est-ce que c'est que ce ticket? Ça a quelle année, genre? C'est ouf. Bah du coup, ce sera mon marque-page. Je l'ai vraiment acheté parce qu'il y a une phrase qui m'a marqué, mais l'histoire, ça a l'air vraiment d'être sur la guerre, quoi. Et les avions. I'm like, what's your plan? Costa Rica. I understand it's a one land. Flakes start coming off. I'm like, what's your plan? Costa Rica. It's a one land. I understand. Flakes start coming off. Costa Rica. Stay in Costa Rica. Cette vidéo n'a aucun sens. Je m'en rends compte maintenant que je l'ai montée. En fait, absolument tout s'est passé dans ma tête. Le problème étant que j'ai rien à vous raconter en fait. Tout ce que j'ai eu à raconter, je l'ai écrit. Et donc, je me suis dit que j'allais vous lire un bout. Je sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça vous plaira. Peut-être que c'est le début d'un roman, peut-être pas. Dites-moi ce que vous en pensez et si vous avez envie d'une suite. J'ai écrit. Et c'est là, entourée de fleurs et de touristes, que j'aurais pu dire adieu à la vie telle que je la connaissais. Ici, assise sur ce banc, à contempler le jardin de Monet, j'ai eu envie d'une existence romanesque, de grands voyages, de grands amours, d'ampoules aux pieds et de bouquets. J'avais décidé d'arrêter de décider, de laisser mon cœur et mon corps parler. J'allais partir en Italie, m'essayer là-bas à une autre vie. Ce vendredi à Giverny, j'ai mis un pied dans une histoire que seuls les livres ne peuvent ressusciter. Si j'avais été une fleur, j'aurais été celle qui, n'étant qu'un coquelicot, aurait espéré la reconnaissance des roses. Je me serais travestie en pissenlit, attendant sagement que l'on me cueille et que l'on me souffle dessus. Je n'ai dans ce monde que la place que je me suis créée, au milieu de ces gens qui, conscients de leurs conditions, n'ont fait que suivre le chemin que leur cœur avait tracé pour eux. Puis, c'est avec les yeux de celles qui n'avaient jamais suivi les règles de la vie que je les ai regardées vivre, comme une spectatrice, plus comme une élève. J'ai compris ce jour-là que je n'avais plus besoin de jouer à la vie. J'existais pour moi. J'incarnais exactement ce que je devais être. La jeune fille aux fleurs. Rien ni personne ne me guiderait plus. Je sais maintenant écouter mon cœur, mon corps, et tous deux savent exactement que faire de moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est bizarre, vraiment elle est bizarre. Je peux pas faire autrement. Je reviens bientôt avec une vidéo facecam. Il faut que je vous raconte des trucs. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous raconter. Et il faut que je vous partage plein de choses. Bref.